Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à l'attaque meurtrière dans la nuit d'hier sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Le dernier bilan fait état de 18 morts, 10 blessés, 2 forces de défense et de sécurité blessées, 2 assaillants abattus et pas de revendication pour l'instant. Et pour le décryptage de cette attaque qui a encore endeuillé la nation burkinabé, nous avons sur notre plateau Monsieur Joseph Yara Batioula, qui est sociologue. Bienvenue, Monsieur Batioula. Bonjour et merci pour le surnom. Je m'appelle aussi Jacob. Jacob. Mais c'est Jacob. mon fils Joseph. Donc, Jacob Yara Batioula, bienvenue à tous. Merci. Le Burkina Faso, de nouveau frappé par une attaque terroriste, une attaque meurtrière en plein cœur de la capitale burkinabé dans la nuit d'hier. Le restaurant Café Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou est pris d'assaut par des assaillants. L'attaque a débuté aux environs de 21h. Les forces de défense et de sécurité lancent un assaut contre les assaillants. L'assaut a pris fin très tôt ce matin. Le bilan provisoire, comme nous l'avons dit, fait état de 18 morts et de 10 blessés. Chronique d'une nuit de terreur avec Konsoun Koulibaly et Pascal Kané. Nuit cosmadesque sur Kwame Nkrumah. Les terroristes ont encore frappé en plein cœur de Ouagadougou. Cette fois-ci, c'est le Café Istanbul qui est visé. Arrivé aux environs de 21h à moto, selon les témoins, les assaillants s'en prennent aux clients sur place. Très vite, la zone est bouclée par les forces de défense et de sécurité. Le commandement des opérations prend ses quartiers dans l'immeuble du ministère de la fonction publique. Les forces de défense et de sécurité s'organisent. Aux environs de 10h du matin, l'assaut est donné sur le café. À 3h du matin, alors que l'on annonçait l'assaut terminé, les tirs reprennent de plus belle. S'ensuit alors un balai incessant de véhicules militaires et d'ambulances. Puis, c'est le calme plat. C'est alors que le premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, dont celui de la sécurité, arrive sur les lieux. Après un entretien avec les techniciens et les rescapés, le bilan officiel est donné. Dans la situation à l'heure actuelle fait état donc de 18 décès. Nous avons parlé de 17 la première fois. Donc un des blessés est malheureusement décédé. Voilà, nous sommes à cet état-là. Nous avons également l'information de la neutralisation de 2 terroristes par nos forces de défense et de sécurité. Pour l'instant, donc voilà la situation. La police judiciaire, le procureur vont se déplacer sur les lieux pour que nous puissions identifier maintenant les victimes afin d'informer les familles. Voilà la situation actuellement. Donc 18 victimes, 8 blessés que nous avons dénombrés, mais il faut vraiment travailler à ce que le nombre des blessés soit plus connu. Et là-dessus, donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. En ce qui concerne les victimes, pour ce qui est là, c'est 18. Pour les blessés, il y a une évolution potentielle sur laquelle nous pouvons nous attendre. L'opération a pris fin. En tout cas, sur ce site-là, vous savez que dans ce genre d'opération, il y a tout un autre ensemble d'éléments qui sont faits, notamment le quadrillage de la zone dans laquelle nous étions, les vérifications des maisons avoisinantes. Voilà, tout ce travail-là continue. Le dispositif, il est fonctionnel. C'est l'hôpital Elgado qui est le premier point de chute. L'hôpital également de Tenganougo a été mis en état de recevoir au cas où il y aurait un surplus. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les personnes qui ont été témoins ou victimes de cette situation-là. Puis, la délégation se rend sur les lieux de l'attaque. Pendant ce temps, la presse est tenue à l'écart. Impossible d'approcher pour avoir les images des dégâts. Mais pas de doute, ils sont énormes. Voilà, le gouvernement burkinabé a présenté ses condoléances aux parents des victimes et le président du Faso, dans un tweet, condamne avec la plus grande énergie l'attentat qu'il qualifie d'ignoble. Rochmar Christian Kabore adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État affirme que le vaillant peuple du Burkina Faso opposera une résistance sans concession, ce sont ses mots, au terrorisme et aux ennemis du progrès de notre pays. Le président du Faso appelle donc à la vigilance, à la solidarité et à l'unité de toute la nation dans cette lutte contre le terrorisme qui est un combat de longue haleine. Voilà, pour le dernier bilan, comme nous l'avons dit et comme vous l'avez entendu, il s'agit d'un bilan qui fait état de 18
décès, 10 blessés, 2 forces de défense et de sécurité blessées, 2 assaillants abattus et toujours pas de revendication pour l'instant. On nous dit également qu'un pick-up immatriculé au Niger de couleur blanche serait activement recherché. Nous allons passer à notre moment entretien dans ce journal. Et comme nous l'avons dit, nous recevons Jacob Yara Batula, qui est sociologue, pour le décryptage de cette nuit de terreur donc à Ouagadougou. Monsieur Batula, rebonjour. Bonjour, Madame Duane. Alors, le Burkina Faso est encore frappé de plein fouet par une attaque terroriste. Comment expliquez-vous finalement cette montée du terrorisme chez nous ici? Merci pour la parole et d'abord toute ma compassion à tous ces, à toutes ces victimes qui sont blessées, à ma compassion également à toutes les familles qui sont endeuillées une fois de plus. Dans notre pays où on a besoin de la paix, où on a besoin de plus de sérénité pour avancer. Et également, nous disons-le comme ça, nos félicitations à tous les acteurs depuis la nuit jusqu'à maintenant, que ce soit donc l'appareil étatique, que ce soit donc les médias, que ce soit donc les forces vives de notre pays, la commune et bien d'autres acteurs. On a vu essentiellement une avancée par rapport à l'attaque de 2016. Pour revenir justement à votre question, nous ne pouvons que avancer premièrement les mots comme le choc, comme donc l'inadmissibilité donc de cette attaque encore une fois dans notre pays et encore une fois sur le même espace. Ça fait réfléchir et ça nous donne justement de réajuster un peu donc notre stratégie. Vous demandez pourquoi cette montée donc du terrorisme dans notre pays. Nous pensons que ça n'a pas baissé depuis donc 2016, depuis 2015 d'ailleurs, ça n'a pas baissé. Quand on prend en considération tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe donc à Guibo, dans la zone de Guibo, on peut se rendre compte qu'en fait, ça n'a pas du tout baissé. C'est encore le fait qu'il soit, il progresse vers donc la capitale qui nous donne cette impression qu'il y a une montée spectaculaire. Sinon, la montée est maintenue parce qu'on a en moyenne une attaque par mois dans notre pays. Et depuis donc ce temps, je pense que les attaques qui étaient limitées sur la zone de Guibo, c'était à défaut, à mon avis, parce qu'ils visent mieux, ils cherchent mieux. Et avoir une opportunité justement pour attaquer au plein cœur donc de Ouagadougou, la belle avenue donc de la capitale, je pense que c'est vraiment du pain béni pour ces acteurs-là. Donc, oui. Comment est-ce que vous expliquez finalement cette radicalisation? La radicalisation, c'est un phénomène qui prend du temps. La radicalisation, c'est comme un groupe de personnes qui veut faire des racines. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de racines, mais ce groupe n'est pas d'accord avec les racines qui existent. Arrache les racines qui existent pour implanter d'autres types de racines. Et ces racines peuvent être religieuses, idéologiques, politiques ou encore des racines culturelles. Ils ne sont pas d'accord avec donc cette façon de gérer, cette façon de faire. Et la radicalisation tient compte de cela. Pour justement avoir un phénomène, pour mieux appréhender donc le phénomène de radicalisation, très souvent, on a l'aspect religieux qu'on met devant. Alors que les acteurs actuellement ne se nourrissent plus justement de la fibre religieuse. Non, ils captent ce qu'on appelle justement le phénomène social, l'environnement social, l'environnement culturel des populations pour justement attirer les jeunes, pour attirer tous ceux qui sont vulnérables, les jeunes et les femmes très souvent, dans l'engagement donc radical. Donc, ils font en sorte que quand les gens sont insatisfaits, qu'ils puissent dire voilà, c'est au regard donc du système, au regard donc de la façon de faire, donc voilà, nous vous proposons autre chose. Et le phénomène de radicalisation, quand nous avons mené certaines enquêtes à Guibo et à Dori et à Gorom-Gorom, nous nous sommes rendus compte que les gens, c'est comme il y a un déni donc de la présence donc du phénomène de radicalisation. Tellement il est sournois que les gens ne le sentent pas, ne le vivent pas. Ils pensent qu'il non, il est toujours d'ailleurs. D'autres disent même que ce sont les étudiants qui reviennent au village, qui amènent des formes de radicalisation, de formes de pratiques qu'ils ne connaissent pas. D'autres disent non, ce sont les voyageurs, ceux qui transitent par leur pays qui amènent donc ce phénomène. Donc, alors que le phénomène est là, il est là et il travaille de sorte à ce qu'un jour, quand il vous prend, vous êtes donc désarmé,
armées et vous êtes donc pris dans d'une gangrène qu'on ne peut pas justement vous aider tout de suite. Et le phénomène de radicalisation, si vous me permettez, c'est que même si on a des outils justement pour lutter contre ce phénomène, ce sont des outils qui prennent du temps. D'accord. Ce sont des outils qui n'ont pas d'effet tout de suite. Mm-hmm. Et ces outils, très souvent, c'est la sensibilisation. J'ai un jeune à Djibo qui a fait donc toutes les communes de la région, jusqu'à Déhou, jusqu'à à Tinakoff, jusqu'à Marcoy, où il s'est entretenu avec les jeunes. Il est passé à Ouaga, nous nous sommes entretenus sur ce phénomène. Et il m'a dit, Jacob, je me rends compte qu'en fait, les gens, depuis même les attaques de 2016, ne savent pas encore que le phénomène est présent dans la zone et qu'il est dangereux. D'accord. Donc, nous nous sommes donné des conseils et je pense que si nous continuons donc à sensibiliser, si nous continuons à donner les moyens aux acteurs de terrain, ils vont aider les jeunes à se départir donc de ce phénomène qui va un jour, si on ne prend pas... Voilà. En fait, le vrai problème entre donc terrorisme et radicalisation, c'est que très, très souvent, à un moment donné, les terroristes, même s'ils ne sont pas de notre pays, ils peuvent donc se baser sur des radicaux locaux pour maintenant perpétrer justement donc des choses sur votre territoire. Et c'est pourquoi... Oui. Justement, on avait pensé à un moment donné que le Burkina Faso était hors de danger, qu'on pouvait un peu être serein, mais voilà que le Burkina se retrouve encore dans l'œil du cyclone. Oui, c'est... Enfin, je ne sais pas comment on va dégoûter les terroristes vis-à-vis du Burkina. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils disent « ça ne vaut plus la peine de venir au Burkina ». Et je pense que cette réflexion, elle mérite d'être posée au plus haut niveau. Comment faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de venir donc nous traumatiser, venir au Burkina Faso pour quoi que ce soit. Il y a des pays qui ne sont pas encore touchés. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'y vont pas? Voilà. Donc, on a des facteurs au Burkina Faso qui permettent ou qui favorisent, qui incitent à cela. Il faut traiter ces facteurs. Nous étions donc exemple de toute cette situation. Peut-être qu'il y avait donc des facteurs incitateurs ou qui nous préparaient à cela. En tout cas, on n'a plus la couverture qu'on avait autrefois. Et je pense que le phénomène étant régional, nous ne pouvons pas écarter le Burkina Faso dans cette lutte qui se positionne comme étant une lutte régionale. D'accord. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où toute la valeur du G5 Sahel peut se justifier. Je pense que nous avions eu une réunion à Bamako, réunion à laquelle le ministre Simon Compaoré y était, moi j'étais donc de la délégation, et je pense que tout ce qui a été décidé, il y a une partie que je vois qui se met en œuvre, par exemple le développement pour donc le Sahel, le Premier ministre a lancé donc un programme dans ce sens. Je pense que ce sont des actions comme ça qui vont permettre à terme justement de venir à bout, au moins de circonscrire justement le phénomène. Parce que c'est quand on va lutter contre le chômage des jeunes qu'on va justement les décourager par rapport à l'engagement peut-être terroriste ou djihadiste. En tout cas, quand on va faire quelque chose, on aura moins d'espace à laisser aux terroristes qui voient peut-être dans le cas du Burkina un cas particulier où il y a un retentissement. Puisqu'on n'est pas habitué, ça fait vraiment un territoire propice pour justement le développement de ce phénomène dans notre pays. D'accord. Monsieur Arabatioula, si vous le permettez, on va poursuivre un peu avec les informations liées à cette attaque. Et le ministère de la Santé, sachez-le, informe que le gouvernement a pris des dispositions pour une prise en charge gratuite des blessés. Et cela se passe au CHU Yalgado Ouédraogo. Une cellule psychologique est également mise en place pour le suivi des victimes. Et justement, les blessés qui sont pris en charge au CHR Yalgado Ouédraogo. Une de nos équipes de reportage y a fait un tour ce matin. On suit un peu les réactions de ces blessés-là dans ce reportage de Zalissa Sanfo. On était dedans. On le restaurant même. Vous travaillez là-bas ou bien vous êtes allé avec les amis? Non, non. Nous, on est des clients. Nous, on était au nombre de trois. Ouais. Quand on est arrivé, les autres sont là, ça va. Quand on était assis seulement, on a entendu le coup de fusil. Puisqu'ils étaient au dehors, ils ont commencé à tirer sur la terrasse. Nous aussi, quand on a entendu le coup de fusil seulement, on a essayé de fuir. Et puis on est monté, il y a les escaliers là-bas, on est monté sur l'étage là, jusqu'en haut. Donc quand on est arrivé là-bas maintenant, il y avait au moins deux blessés.
il y avait une dame avec un jeune homme qui était blessé grave. Donc nous, on a essayé maintenant de le faire monter en haut. Quand on est arrivé maintenant, on était couché par terre. Même les assaillants sont venus là-bas, ils ont pointé l'arme sur nous. Vous voyez que non, ils se disaient que c'était fini, quoi. Donc, en même temps, ils sont descendus. Voilà. J'étais en train de parler, mais moi, je ne comprends pas leur langue. C'est pas c'est arabe, mais c'est quoi. Ce que j'ai senti seulement, j'étais content, j'étais heureux de ce qu'ils étaient en train de faire. J'étais à la caisse en train de taper, mais bon, quand j'ai entendu les coups de fusil, je vois les gens qui courent partout. Donc moi aussi, j'ai essayé de fuir. Et bon, les gens m'ont poussé, j'ai tombé. Les gens sont montés sur moi, j'ai eu l'entorse. Quand cela s'est sorti de sa cavité, il y avait beaucoup de clients. Voilà un peu des réactions que Zalissa Sanfo nous a ramenées de l'hôpital Yalgado Ouédraogo où les blessés sont pris en charge. Une cellule de prise en charge justement psychologique est également mise en place par le gouvernement pour le suivi de ceux qui ont été victimes de cet attentat terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah dans la nuit d'hier. Nous revenons à notre entretien. Alors, ce qui s'est passé finalement, M. Yara Batula, dans la nuit d'hier, comment est-ce que vous expliquez cette attaque-là? Pourquoi c'est encore un restaurant situé dans cette avenue, sur cette avenue-là, un restaurant qui généralement reçoit beaucoup de nationalités, beaucoup d'expatriés? Comment vous expliquez cette cible-là? Je crois que le mode opératoire reste sensiblement le même, à savoir avoir beaucoup de victimes et beaucoup de nationalités à tuer. Et je pense que plus on tue des nationalités diverses, plus leur joie est grande. Et ils créent beaucoup plus de tristesse à travers donc, le monde. Donc, l'ensemble donc, de ces nationalités, très souvent dans ces types de restaurants, ont des pays, ont des consulats, ont des ambassades, et ça fait donc de la communication. Et c'est leur objectif de communiquer le maximum possible pour dire qu'ils sont présents. Une attaque sur Kwame Nkrumah, encore une fois, je pense que c'est une véritable défiance. C'est comme du sabotage par rapport à l'ensemble donc, des actes que nous posons actuellement pour nous en sortir. Attaquer donc Kwame Nkrumah et ne pas attaquer un autre endroit, je pense que c'est une stratégie bien raffinée. Parce que comment imaginer que cette avenue qui fut l'objet donc, d'attaque le soit encore une deuxième fois? Alors qu'en y allant pour une deuxième fois, ça crée davantage plus de choc et ça va créer la discorde donc, dans l'opinion publique. Parce que tout de suite, on va se mettre à discuter de ça en disant qu'une première attaque, pourquoi on n'a pas pris des décisions? En tout cas, ils ont visé tous ces éléments et ils ont trouvé qu'en attaquant sur Kwame Nkrumah, ils auront plus de retentissement et ils vont encore dire à l'État burkinabé et à l'ensemble des acteurs qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas prêts donc justement à baisser les bras. Alors est-ce que vous pensez en tant que sociologue que ça peut être une diversion aussi? Oui, c'est chose d'autre qui est visé et en attaquant Kwame Nkrumah, on peut disperser les énergies, les vigilances pour aller... Oui, en fait, je pense que les forces de défense et de sécurité, depuis hier, notre prière est qu'en même temps justement, on fasse en sorte que tous ceux qui sont à des postes comme la police ou la gendarmerie, qu'ils fassent en sorte que la vigilance soit redoublée. Parce que, comme vous le dites, c'est une hypothèse à ne pas négliger. Et très souvent, les jours qui suivent, s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont multiplier encore une fois d'autres formes donc d'attaques sporadiques, soit des attaques au niveau de ce qu'on pourrait appeler les postes de police ou les postes de gendarmerie partout sur le territoire. Et je pense qu'à l'heure où nous parlons, l'ensemble donc, des acteurs de défense peuvent prendre toutes ces dispositions. Parce que ici, après donc Ouagadougou, ils vont vouloir faire quelque chose s'ils sentent qu'ils ne sont pas satisfaits du nombre de victimes annoncées. Et je crois également que si les attaques que nous connaissons au Burkina sont donc d'origine politique,
il faut justement comprendre qu'il peut y avoir comme hypothèse justement des moments pour nous divertir, pour atteindre d'autres objectifs. Mais si l'attaque est aussi idéologique, il faut faire en sorte que il faut cerner aussi donc cette approche idéologique donc de ce type d'attaque. Mais il faut prendre en compte l'ensemble donc de ces hypothèses, d'accord, les traiter avec l'ensemble des acteurs. Toute la chaîne doit se retrouver justement froidement analysée et continuer justement à déployer toute la stratégie qu'il faut pour minimiser peut-être d'autres types d'attaques dans les jours à venir. Oui, alors on a vu déjà quelques similitudes avec d'autres attaques, notamment l'attaque du 15 janvier 2016. Est-ce qu'il y a d'autres similitudes avec d'autres attaques ici et là qui peuvent permettre d'entrevoir un peu l'identité des assaillants, puisque finalement l'attaque n'a toujours pas été revendiquée pour l'instant. Ce qui est sûr, si l'approche idéologique est derrière, ça ne va pas, on ne va pas faire plus de 72 heures pour avoir justement un retour donc du cerveau ou en tout cas tous ceux qui ont commandité donc ces attaques. Mais il faut dire que comme on est dans une situation assez précaire sur le plan social, sur le plan économique, avec une volonté donc de tirer le pays vers le haut, tout cet environnement nous permet justement de nous focaliser actuellement sur la stratégie et la capacité de nos forces de défense et de sécurité à réagir. Mmh. Et je pense que cette fois-ci, on a vu qu'ils sont venus plus tôt qu'en 2016. Mmh. Et ça, c'est important. Mmh. C'est immensement important. Mmh. Parce que ça limite les dégâts, ça limite le nombre donc de morts et ça permet de sécuriser l'espace d'intervention pour éviter que des gens ne meurent bêtement autour donc de cet espace-là. D'accord. Oui, c'est vrai que la réponse militaire, elle est venue, elle était là, mais est-ce que c'est vraiment la réponse appropriée? Est-ce que c'est une réponse appropriée? Très souvent, quand c'est fait, c'est la réponse qui sied. Maintenant, quand ce n'est pas fait, c'est autre stratégie qu'il faut mettre en place. Mais dès lors qu'il y a attaque, dès lors qu'il y a coup de feu, c'est la riposte justement militaire qu'il faut tout de suite. D'accord. Pour circonscrire, pour vraiment sécuriser les lieux et permettre qu'il y ait moins de dégâts, moins de victimes. Et ça, c'est possible. Parce que les terroristes ne viennent pas avec une quantité indéfinie de munitions. Ils ont une quantité finie de munitions. À un moment donné, ils finissent donc de tirer et peut-être souvent ils gardent la seule balle pour eux-mêmes. Mais donc quand les forces de défense arrivent, ils peuvent donc neutraliser plus facilement quand ils ont fini donc d'exploiter leurs munitions. Et l'autre élément, c'est qu'ils prennent en otage pour gagner du temps. Ils prennent en otage ceux qui sont là justement parce qu'ils n'ont plus de munitions très souvent. Une intervention militaire en ce moment permet donc de les déloger ou de les neutraliser tout simplement. Et ça, c'est important. Oui, et la question vraiment qui se pose, c'est que comment ne pas céder à la terreur justement, puisque l'un de leurs objectifs aussi, c'est ça. En venant ici, j'ai vu des gens, des maçons, des menuisiers, j'ai vu des femmes circuler. Et ça, c'était très fort. Et il faut continuer à bouger, il faut continuer à faire quelque chose. Il faut continuer à croire que, tout comme la nuit du 13 est passée et que le jour du 14 s'est levé, cette situation aussi, nous pourrons donc la vaincre. Et il faut continuer à donner un message fort. C'est pourquoi je profite de placer justement cette interpellation vis-à-vis des artistes, pour qu'ils fassent quelque chose pour aider les gens à ressortir. J'ai peut-être une interpellation au gouvernement, aux différentes régions. Je pense qu'organiser une marche du rond-point des Nations Unies jusqu'à la fin donc de l'avenue, c'est pédagogique et c'est thérapeutique. C'est aussi important qu'on voit à un moment donné qu'on a de la cohésion, qu'à un moment donné, on a tué toutes nos différences et qu'on se met ensemble. Qu'on est soudés dans cette affaire. Ce sont des questions, les questions sécuritaires, les questions culturelles, ce sont des questions sur lesquelles on pouvait s'entendre, quel que soit son bord politique ou religieux ou culturel. Et je pourrais dire que si on arrive à faire ça, ça va permettre à tout le monde de prendre confiance. Nous marchons ensemble, opposition et OEC, que sais-je encore, tous les... En tout cas, on marche la main dans la main pour dire que c'est ensemble que nous allons vaincre. Et si on donne cette image qui sera forte vis-à-vis donc de l'opinion internationale, nous pouvons encore encourager nos Burkinabés à prendre courage. Par contre, si on laisse la chose comme ça, on organise un deuil, on s'enlise,
on ne va jamais s'en sortir. Oui. Et peut-être dans les régions, même si les régions ne sont pas touchées, je préconise que les régions fassent quelque chose, qu'ils aient aussi des moments de marche où toutes les sensibilités des régions se tiennent la main, marchent, faire les différences et, vraiment et faire les différences, ensemble. Ça va être pédagogiquement bien pour les jeunes, oui. Ça va être thérapeutique et ça va donner une opinion qu'on peut aller au-delà donc de nos divergences. Alors, on va parler un peu de, finalement, les États africains, les États membres du G5, parce qu'ils sont vraiment à fond dans cette lutte-là. Oui. Et on sait qu'ils se sont donné la main pour vaincre le terrorisme. Est-ce que, finalement, ils ont les moyens financiers et économiques pour lutter contre ce terrorisme et le vaincre surtout? Oui, c'est d'abord une approche structuraliste, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'une structure peut gérer cette affaire, ce qui est faux. Mais ce qui est vrai, c'est que l'ensemble donc, des démarches sont nécessaires. Que ce soit une approche structuraliste, que ce soit une approche fonctionnelle ou des structures, que ce soit une approche militaire, que ce soit une approche de développement, je pense que c'est la conjugaison de toutes ces approches-là qui vont faire la différence dans cette lutte. Le G5 Sahel a exposé ses intentions. Tout le monde a vu les intentions. Ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie de sécuriser les frontières qui sont larges, poreuses et qui ne sont pas maîtrisées par nos États. Et je pense que cette synergie peut donner des résultats. Mais très souvent, dans ces genres de situations, ce qui souvent gêne, c'est l'hypocrisie des nations, c'est l'hypocrisie des États. Parce que très souvent, quand on n'est pas attaqué et qu'on est dans un mouvement, on ne partage pas tous les sentiments. On fait semblant. On ne donne pas tout le meilleur de soi. Et on ne se sent pas toujours concerné jusqu'à ce que vous pleuriez un jour pour vous rendre compte qu'il faut effectivement une coalition. Je préfère qu'on n'arrive pas à cela et que tout le monde comprenne que c'est important de sortir des formes hypocrites pour justement avancer de façon concrète. Pourquoi? Comment sortir des formes hypocrites? C'est mettre l'argent. C'est aussi former les militaires. C'est aussi sensibiliser les populations. C'est mettre à la disposition donc, de tous les acteurs de la chaîne les moyens qu'il faut et l'éducation qu'il faut. Vous vous rendez compte, quand il y a une attaque dans une école, le maître ne sait pas comment il faut procéder. Les élèves ne savent pas comment il faut se tenir. Personne ne sait comment se tenir quand il y a une attaque. Quand il y a une attaque dans un restaurant comme cela, personne ne sait comment se couvrir, comment donc minimiser les dégâts. Donc je pense qu'il y a un grand travail. Le G5 Sahel peut faire quelque chose s'il y a une synergie, s'il y a une sincérité et s'il y a des moyens. Vous vous rendez compte que la fois dernière, ils ont tout discuté, et les Nations Unies ont voté et également ils ont demandé à la France de contribuer, de les aider financièrement. Donc ça peut poser un problème. Un problème financier dans la durée. Tout de suite, la France peut trouver les moyens pour vous accompagner. Tout de suite, quelques États peuvent faire quelque chose. Mais comme la lutte est inscrite dans la durée, comment on va tenir l'affaire pendant longtemps? Et c'est tout l'enjeu que nous avons sur la question du G5 Sahel, qui peut mourir à un moment donné et laisser les États maintenant se battre seuls ou se débattre seuls. Et ça, ce serait peut-être encore dommage pour avoir dégagé ou engagé beaucoup de moyens dans le G5 Sahel pour ne pas aboutir donc à des résultats probants. Alors, c'est une lutte également qui demande beaucoup de discrétion finalement pour être efficace. Autant on demande aux populations la solidarité, autant on demande aux gens d'interpeller les autorités, les forces de défense et de sécurité, autant on demande aussi de garder beaucoup de discrétion, notamment sur les stratégies, sur les positions. Comment on peut concilier les deux, et dans la discrétion et dans l'efficacité? Oui, je pense que, merci pour cette question, je pense que ce que la population peut faire, il y a des séquences. Quand l'attaque est en cours, la population n'a rien à faire. La population reste là où elle se trouve, surtout à la maison, à des abris bien précis. Parce que hier, ça a failli pêcher un peu. Et la population est venue. Et oui. Et deuxièmement, à une autre étape, quand on commence à évacuer, la population peut aider avec des dons de sang. Et encore, permettre donc l'identification donc des corps et bien d'autres choses. Donc à chaque étape, il y a donc la participation de la population qui est à des degrés différents. Ça, il faut l'enseigner. Ça, il faut sensibiliser. Depuis l'attaque 2016, je n'ai pas vu, par exemple, un spot qui montre comment s'y prendre.
je n'ai pas vu assez. Je n'ai pas vu aussi assez donc de d'œuvres qui prouvent que on a cerné toute la profondeur et toute la problématique donc de la question. L'ampleur même du phénomène. Du phénomène. C'est comme si on était revenu à la normale et que l'orage est derrière nous et qu'on commence à vivre. Ça, c'est normal. C'est normal qu'on baisse la garde, mais ce n'est pas le moment. C'est normal parce que c'est humain qu'à un moment donné, on baisse la vigilance parce que nous sommes humains. Quand vous partez dans les lieux de culte, il n'y a plus de fouilles. Les mosquées, les églises, on rentre parce que l'affaire est passée. Voilà, quand vous rentrez dans les gares routières, on ne fouille plus assez. Certains hôtels même. Certains hôtels, on te dit, ah, patron, passe. Ou encore, hier j'étais à l'aéroport, je pense que même c'est parce que c'est Air France qui était au programme hier que la sécurité a davantage. Quand vous voyez le parking de l'aéroport, c'est une poudrière. Les gens viennent sur le parking pour accueillir les gens. Les gens viennent jusqu'au parking pour accompagner les gens. Ça fait une masse énorme donc, de personnes. Imaginez un petit problème sur ce parking. C'est le même problème qu'on évite à l'intérieur de l'aéroport, qu'on déplace surtout sur le parking. Quelle solution? C'est compliqué. Et je pense qu'actuellement, l'État doit froidement analyser la situation. Faire en sorte que ce pays-là puisse avoir un minimum de sécurité. Faire en sorte que tous les acteurs puissent être impliqués dans toute la chaîne. Faire en sorte qu'il y ait de la communication et de la sensibilisation. Que les parents puissent informer les enfants. Que également au niveau de l'école, qu'on puisse faire déjà quelque chose. Qu'à la rentrée, qu'on ne se taise pas. Qu'on commence à parler de ce problème dans les écoles. Pour expliquer ce que c'est que le terrorisme, l'extrémisme violent, la radicalisation. Pour le moment, ce que je constate, c'est la voie de la paix, une ONG justement qui met quelque chose et qui passe des émissions radiophoniques. Okay. Il faut faire davantage pour qu'on puisse circoncire le phénomène et aller juste sereinement vers ce que nous rêvons d'être dans ce pays. Merci monsieur Yara Batula, Jacob Yara Batula, qui est venu décrypter un peu cette attaque meurtrière dans la nuit d'hier sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Je vous rappelle le dernier bilan, 18 morts, donc 10 blessés, 2 forces de défense et de sécurité blessés, 2 assaillants abattus et toujours pas de revendication pour l'instant. Et puis il y a également ce pick-up immatriculé au Niger de couleur blanche qui est toujours activement recherché. Et sachez que le gouvernement burkinabé a présenté déjà ses condoléances aux victimes et le président du FASO, comme nous l'indiquions dans un tweet, condamne avec la plus grande énergie l'attentat qu'il qualifie d'ignoble. Rochma Christian Kabore adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État affirme également que le vaillant peuple du Burkina Faso opposera une résistance sans concession. Ce sont ces mots au terrorisme et aux ennemis du progrès de notre pays. Le président Faso appelle vivement à la vigilance, à la solidarité et à l'unité de toute la nation dans cette lutte contre le terrorisme qui est un combat de longue haleine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à l'attaque de cette nuit. Nous reviendrons sur cette attaque au cours de nos prochaines éditions avec plus d'informations et plus de réactions. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme à tous.